Mais ça les gars, fallait que j'en fasse une vidéo, c'est quoi cette dinguerie? Tous les trucs gratuits, regardez-moi ça. Le compte, il va exploser avec ça. Encore 5000 pièces, regardez. J'ai au total 83000 pièces. Les amis, nouvelle vidéo Squad Buster sur la chaîne, c'est déjà la 6e. On est sur le compte, on est aux portes du rang 35. Le rang 35, la carte, les modes de jeu vont certainement changer. On débloquera les tout derniers sorts. En gros, une fois que t'as débloqué ça, c'est pas que le jeu est fini, mais une fois que t'as les derniers brawlers, voilà, c'est quasi la fin. J'avais ici, hop, 60 potions d'élixir à récupérer. Ça va me le mettre sur le Colt et sur le L Primo. J'ai 17 000 or, alors niveau or, depuis que j'ai la banque, c'est incroyable. Je peux aller tellement plus vite. Même si, avec ça, honnêtement, j'ai toujours pas assez d'or pour tout lancer. Là, ce que j'aimerais bien faire, alors je sais pas encore combien ça va coûter, mais on pourra faire la sorcière au niveau 6. Ok, donc là, j'avais prévu, tu vois, pour que dans la vidéo, on monte. J'avais prévu pour que dans la vidéo, on aille directement au rang 35. Donc j'avais fait une petite quête ici. Hop, c'est parti, on récupère les 400 XP. D'ailleurs, si dans cette vidéo, on peut obtenir les 100 gemmes, ça serait sympa aussi. Et les amis, New World de Rich, le monde royal juste ici. On a plein de nouveaux caractères, donc là, je les ai pas encore, il va falloir les débloquer. D'ailleurs, le tout dernier, le roi royal, il va être dans la dernière tâche, donc ça sera vraiment une des toutes dernières vidéos. Et on a des nouveaux modes de jeu, ils ont l'air bien sympas, bah écoute, on pourra certainement les tester dans cette vidéo. Et aussi, deux nouveaux sorts qui pourront apparaître. Un petit truc que j'avais pas vu, regardez là, le Colt, par exemple, il brille, et si je clique dessus, ça me donne un petit peu de pièces d'or. Ça, je l'ai vraiment vu par hasard aujourd'hui. Et donc voilà, là, on a débloqué le tout dernier monde de cette bêta, mais tu vois qu'il reste à gauche encore deux emplacements. Donc le vrai jeu sera encore plus complet, avec certainement plus de modes, plus de brawlers, plus de sorts, plus de monde, donc tout sera un peu mieux. On est parti, du coup, on va faire ensemble la toute première partie sur ce nouveau mode. J'ai aucune orbe pour débloquer de nouveaux personnages, donc là c'est la rue. Et on n'a pas du tout un nouveau mode, on a juste Spell Overload. Ok, donc là la map ça dit quoi? C'est la première fois que je joue dessus, et c'est un espèce de sol un peu en béton. Il y a des petites plantes, des petites carottes à gauche, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans le décor ou est-ce que ça a un intérêt? D'ailleurs pour l'instant on affronte que des petits squelettes. Ok, il faut trouver en fait, ça doit être le jardinier, certainement un des premiers trucs du pass. Et j'ai eu un petit marteau, parfait. Petit marteau qui nous aidera après. Ouh, des gemmes qui sortent, magnifique. Bon là faut que je finisse de trouver un petit peu de pièces pour ouvrir un cinquième coffre. C'est parti. On va prendre Nita. Alors j'ai fait ma vidéo sur Nita. Je sais pas comment est-ce que vous l'avez trouvé. Il y en a qui m'ont dit ouais c'est un personnage qui est super fort. Perso, je la trouve pas incroyable Nita. L'ours et tout, je trouve pas ça fou. Vraiment mon personnage préféré en ce moment c'est le Bou. Pour taper les monstres et tout, il est incroyable. Donc là si je peux, je vais prendre plusieurs fois le Bou pour les monstres. Dès que tu vas au centre et que t'as plein de Bou, c'est fou. Ou par contre il y a des sapeurs. Ils commencent à avoir des troupes assez énervées. Ok, non, il est super sympa ce mode. Là, tu vois, le fait de se déplacer, ça prend tout son sens. Parce que maintenant, t'as un truc qui vraiment te tire dessus. En fait, ils te tirent tous dessus. T'as des sapeurs de partout. C'est aberrant ce mode de jeu. Ok, j'ai bien fait. Oh, il y a encore une bombe. Non, il y a des bombes de partout. C'est fou, t'as même pas besoin d'adversaire pour mourir dans ce mode de jeu. En fait, il me faudrait le médic, vu qu'on prend plein de petits dégâts par-ci par-là. Faudrait vraiment que je chope le médic. Là, on va mettre le petit canon. Hop, ça peut servir. Est-ce que ça peut nous donner le médic à l'occasion? Non. Et par contre, on a eu ça, on chope pas mal de gemmes. Là, l'équipe, on est en train de fracasser une équipe parfaite. Vient de busty d'une petite équipe en détente. Ok, l'équipe là, on peut-être l'avoir. En vrai, j'ai l'impression que tout le monde en galère pour l'instant. Oh, il y a le bouliste. Putain, c'est pas le bouliste, c'est le golem d'élixir. Il y a une équipe, elle est à deux doigts d'être. Mais attends, on a la meilleure équipe pour l'instant. Ils sont tous en galère. Je vais busted 100% des gens. Il est incroyable ce mode de jeu. Enfin, il est incroyable parce que je gagne. Hein, parce que si t'es l'équipe qui se fait fumer, tu la trouveras beaucoup moins sympa, je pense. On va essayer de finir le golem d'élixir. Il peut être sympa. Là, je vais mettre un petit boost de combat. On devrait pouvoir le finir. Je pense que dedans, il va y avoir beaucoup de récompenses. On a une potion en haut, parfait. Parfait, parfait. Là, on va prendre un médic. C'est exactement celui que je voulais choper. Ok, on va mettre un petit canon au centre de la map. Pour l'instant, on est vraiment bien dans la partie. Je pense qu'on est premier de loin, en plus on a tué pas mal d'équipes. Hop, on a encore une clé. À prendre chevaucheur de cochon, je suis très déçu. Je le trouve vraiment pas fou. On va prendre aussi. On va prendre un bout en plus, comme ça je crois qu'ils pourront fusionner. Ah non, pas encore. En fait, non, j'en ai peut-être un qui a déjà fusionné en fait. Ok. On va essayer de taper des monstres un peu plus ambitieux comme celui-ci. Ouh, oh, c'est quoi l'équipe de fous furieux qui est ici? En fait, il y a que des équipes de fous maintenant. J'ai tapé les équipes un peu miskines, il reste que des dingueries. On va essayer de se taper. Parce que là, il y a un chevalier. Ah oh, purée, il y a l'autre équipe. Ou alors j'essaye de la taper elle, l'autre équipe. Ça peut être pas mal. Mais il y a trop de monde, on est premier. Est-ce que je garde l'avance? Qu'est-ce que je fais? On a 54 jetons. On est loin devant. Par contre, j'ai eu toujours pour l'instant aucun personnage épique. Je suis dégoûté. Parce que c'est peut-être le moment où on va en choper un. Toujours pas. Encore un petit bout. Là, on va essayer de l'avoir lui. Comme ça, on aura pas mal de gemmes si on le détruit. C'est parti. On repasse toujours pas premier. Ou la petite bombe. La petite bombe, on peut essayer de se faire une équipe. Là, on va prendre les gemmes au centre. Ça pourra nous faire remonter peut-être premier ici. Regardez tout le monde qui a nickel. Oh les gars, on a fracassé une équipe, les pauvres, en 2 secondes. En quasi 2 secondes, elle les a démontés. Je vais essayer d'aller les finir. Là, je les ai assez entamés, je trouve. Ok. Oh, si je finis l'équipe là, les pauvres, ils étaient si nombreux il y a 2 secondes. Je leur ai mis une bombe. Ok. Il reste un personnage. On vient encore de busty d'une nouvelle équipe. C'est trop. Cette partie, je vous jure, c'est trop. On a max le premier personnage épique. Faudrait finir à plus de 200. Si je finis à plus de 200, je pourrais peut-être remplir une quête. Hop, 215. On va terminer une autre équipe. Imagine, c'est la dernière. Imagine, on finit la dernière équipe. Non, c'était n'importe quoi. Cette partie, c'était n'importe quoi. On a trop dominé. 234 gemmes. Le deuxième avait 89. Non, c'est n'importe quoi. Incroyable cette première partie. On vient de donner la couleur. On a récupéré hop, du spécial loot dans tous les sens. En fait, le spécial loot d'élixir, j'en avais pas tant que ça. J'en avais beaucoup plus d'or. Et là, ça fait méga plaisir. Parce que du coup, regardez.
regardez, j'en ai eu deux en une seule partie, c'est fou. Et là, ça en met 14 sur deux personnages différents, et là, ça met 28 sur le Greg. On a fait deux quêtes en plus, on va devoir encore tuer quelques monstres, récupérer pas mal de pièces, et puis on aura les 100 gemmes quotidiens en plus d'un peu d'XP. L'XP, ça va être cool. Déjà, on a le trader, parfait, ça, je pourrais le mettre en miniature. Et par contre, il y avait un truc que j'avais pas vu, alors j'espère que c'est faux, parce que s'ils mettent un premium track à 20$, après, pour le coup, il sera vite rentabilisé, parce que là, en fait, regardez le premium track, t'as du 80 000 pièces d'un coup, 40 000 pièces, non, il est fou, le premium track, il est fou. Quand il y aura la vraie version du jeu, c'est quasiment sûr que je vais le prendre. Oh, ici, des petites orbes, ça faisait longtemps. Encore pas mal de pièces à prendre après. J'espère qu'il y aura des orbes encore, parce qu'en fait, je manque cruellement d'orbes si je veux débloquer des personnages. J'aimerais bien prendre le Mortis. Il n'y a pas assez d'orbes, je sais pas comment en débloquer. Là, on va tenter la sorcière, c'est 22 000. Et ça, c'est quoi? C'est un skin à 2000 tickets. Non, je vais essayer de la level up déjà. Ok, ok, il y a tellement de trucs à améliorer. Roi des barbares, je sais pas si j'en avais parlé en vidéo. Très sympa. Très sympa de le rajouter dans sa team. En fait, ce que lui, il te fait, c'est que ta mêlée, elle va attaquer 25% plus vite. Donc, c'est méga intéressant. Ici, on a hop 3000 pièces à prendre. Ça fait que j'ai assez pour la sorcière. 22 000 pièces, non, c'est trop. Heureusement qu'il y a la banque avec les petits cochons. On a mis la reine au niveau 6. Il y aura peut-être le niveau 7 à faire. À votre avis, est-ce que j'ai la moindre chance de faire la sorcière au niveau max? Juste, ce qui me déçoit avec la sorcière, c'est qu'on la trouve pas tant que ça en attaque. Je vous jure, j'ai l'impression de pas la croiser souvent. Ok, encore spell overload? Non, pas une deuxième fois. Bon, je vais peut-être un peu moins commenter cette partie. Parce que moi, je voudrais un nouveau mode de jeu à tester. On va. C'est risqué, mais on va commencer avec le trader juste pour tester. Oh, il est nul. Il est nul. Il met 10 000 ans à taper un petit squelette. Limite, je reste sur les squelettes, je peux perdre. Bon, on va en vite en prendre un autre. Je sais pas encore ce qu'il fait, j'aurais dû regarder. On va prendre le Hog Rider avec Roll. Faut pas que je croise quelqu'un parce que là j'ai la pire mêlée de tous les temps. Ok, on rajoute le Colt. Pff, toujours pas fou. J'ai pas encore compris à quoi il servait le trader. Vu qu'il est nul en attaque, faut bien qu'il ait une utilité sur le combat. On va tenter de taper cette team là, ce petit bonhomme. Ça va mettre des années à tomber. On va le geler un petit coup. C'est quoi si je prends tous les sorts? On va peut-être l'avoir. Enfin, j'ai vraiment mis 1000 sorts pour le tomber et on galère. Même avec ça, on galère. Ah, le trader il va bientôt charger sa capacité. Si non, je l'ai perdu. Il chargera jamais sa capacité, le pauvre. C'est trop. Les gars, c'est trop. J'ai perdu tout. Oh, l'équipe la plus guise de tous les temps. Ok, j'ai enfin tué un personnage. On a quasiment tout perdu pour le détruire. Oh, je viens de busty d'une équipe sans faire exprès, les gars. J'ai envoyé ma meilleure bombe et ensuite ça a bien enchaîné. Mais là, je fais la partie la plus miteuse de tous les temps. J'ai aucun personnage intéressant. Là, je peux peut-être retenter une bombe bien placée. C'est mon seul espoir sur lui, par exemple. Hop, non, il est esquivé. Faut récupérer des gemmes au centre. On est troisième. On est une équipe miteuse. Tout est miteux. Et on est troisième. Ok, on va retenter une bombe sur une petite équipe. Là, attends. Le petit squelette ici, si je le tape, je récupère pas mal de gemmes, c'est parfait. Ici, l'équipe là, hop, on l'a loupé. Regardez ici, si je récupère ça et que je me pas et que je pars. On est toujours. On a récupéré un petit marteau, parfait. Et on reste quatrième de la partie. Bah écoute, quatrième en ayant fait ça. Plus jamais je prends le trader au début. J'ai même pas compris à quoi servait ce personnage. Je vais devoir aller lire sa description pour vous dire à quel point il était nul. Après, tu vois, je l'ai. Ah non, je l'ai déjà au niveau 3, lui. Comment ça se fait? Ok, en fait, tous les 10 pièces, tu récupères 2 gemmes. C'est un move qui est pas trop mauvais, mais c'est pas un personnage que tu dois prendre en premier, en fait. Ok, là, on a le mode gemme overload, c'est parfait. Et il nous fait commencer avec un gobelin. Je vais pas prendre le trader cette fois-ci. Gobelin, c'est un peu mieux parce que je peux très vite aller sur des nouveaux coffres et reprendre un deuxième gobelin. Mais là, du coup, j'ai encore plein de pièces, je peux réouvrir un coffre. Et, bah attends, il n'y a que du gobelin, c'est pas possible. Regardez toutes les pièces que j'ai. Je peux ouvrir coffre illimité avec ça. Ok, on va prendre le Colt cette fois-ci, je vais pas non plus prendre gobelin à l'infini. Est-ce qu'on peut le finir, lui? Attends, incroyable, on vient de bust. Le mec, il était là, il se baladait l'air de rien. On l'a busted. C'est bizarre parce que là, tu vois, on est que avec des gens niveau 35, s'ils sont ici, ça devrait être les boss du game, c'est ceux qui ont le plus tryhard. Mais là, c'est un des plus guests qu'on a croisé avant. Ok, contre lui, ça dit quoi? Attends, avec la bombe, on a fait un move qui est pas trop mal. Si j'arrive à lui éliminer encore un personnage, une petite potion ici, je sais pas à quoi elle sert. Ah, c'est ça, nickel. En fait, ça envoie des petits esprit de feu sur tout le monde, super sympa. Pour rester aux alentours, oh le trader. Bon, en 4ème, 5ème perso, ça va. Ok, le barbare, il veut pas me donner ma sorcière et mes autres personnages. Allez, cette fois-ci, la petite sorcière, toujours pas nite, le mieux qu'on peut avoir. Il y a eu des pièces dans tous les sens ici, tant mieux. Au centre, est-ce qu'il y a pas une belle petite bombe à placer là à l'occasion? Faudrait qu'on croise une équipe, on lui envoie notre meilleure bombe et finito. Tu vois, eux par exemple, bim, on les a complètement loupés. Bon, pour récupérer pas mal de ressources, on va tenter de finir le méga chevalier juste ici. Il a beaucoup de points de vie, le salopard. Et comme j'ai aucun bout dans l'équipe, j'ai du mal à le taper. Ok, on l'a eu, on récupère 10 milliards de trucs. Petit coffre, toujours pas de perso intéressant. Oh, un golem d'élixir, faudrait qu'on arrive à le finir celui-ci. Il y a moyen en plus, je vais perdre des personnages, mais il y a moyen de le finir, c'est parfait. On récupère tout ça, c'est beau. Attends, il y avait trop de trucs. Faut ouvrir un coffre grâce à lui et reprendre une Nita. Ça se trouve, elle va fusionner à l'occasion Nita. Ok, c'est parti. Oh, la reine des archers, enfin. On commence à avoir une escouade bien sympa. Bon, le méga chevalier, on n'a pas assez de patates. On n'a pas assez de patates pour le frapper, j'ai l'impression. C'est lui qui va nous frapper, le salopard. C'est parti. Oh, il nous a bien fait mal. Ça serait bien d'avoir un médic dans l'équipe en plus. Ouh, tous les gemmes au centre, personne n'a récupéré ça. Oh, la dinguerie. Il y en a encore, bah tu sais quoi, je vais tous les prendre. Ne les récupérez pas, laissez-les-moi les tous. On va pas se plaindre. Ici, il y a encore plein de trucs, je sais pas comment ça se fait. Je crois que c'est mon canon en fait, il s'est régalé. On est deuxième, il y a plus que deux personnes en course. Et l'autre, elle a... Attends.
On va se battre contre celle qui a 500 gemmes. On est fini. Non, en vrai, attends, faut que je reste en vie. Je m'en fous parce qu'on le battra pas, on va rester deuxième. Mais faut juste que je reste en vie, ça a rien de se... Déjà, je le rattraperai pas, il avait 600 gemmes, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'il a dû tuer tout le lobby, en fait. Hop, on a récupéré pas mal de trucs, on a fait une nouvelle quête. Hop, c'est parti. Là, avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien qu'ensemble, on récupère de la récompense du cinquième jour. Là, on a déjà 30 élixirs qu'on va mettre... On va la mettre sur la sorcière, j'aimerais tellement la maxer. Mais le souci, c'est qu'il me la propose jamais en combat. Et on récupère ici 3500 gemmes. Ah non, c'est des pièces d'or, 3500 pièces d'or. Comme on l'a souvent, j'aimerais bien améliorer un petit coup le colt. Allez, on est reparti, let's go. Donnez-nous un petit mode avec des pièces en or à récupérer. Ok, oh, golem météore, j'aime beaucoup ce mode. Et oh, parfait, mais là, il y a tout ce qu'il faut pour faire la dernière quête. On fait cette partie et la dernière quête, ça sera plié amplement. Attends, il y a trop de trucs à récupérer. Le Greg. Bah, tu sais quoi, je vais commencer avec un Greg, on va taper des arbres. Pourquoi se casser la tête? Non, on tape pas un petit squelette. Non, mais oh non, ma parole, j'arrive pas, je vais te prendre un autre truc, ça va l'aider. On va prendre un deuxième Greg, double Greg. Il faut vraiment que je finisse les arbres pour faire un très gros démarrage. Ok, deuxième arbre. Là, avec ça, on a fait un bon démarrage, on a une bombe aussi, parfait. On va prendre un triple Greg, ils vont fusionner. Mais j'ai aucune chance contre un golem avec seulement du Greg. Donne-nous un petit bout. Ça serait sympa, un petit beau. Non, c'est pas beau, c'est beau. Ok, le colt. Oh, l'équipe, elle est moisie pour l'instant. On a beaucoup de pièces, mais c'est tout. On va reprendre un petit colt. Je vais tenter de finir l'équipe là. Oh purée, je peux la finir. Il reste un perso, je crois. Dommage que j'arrive pas à sprinter. Ok, mais tire de... arrête de tirer sur les arbres. Tire sur le perso, je t'en supplie. On va la finir ou pas? Le colt, on va la voir. On n'a pas du tout réussi à finir l'équipe. Je vous jure, j'ai jamais fait un début de partie aussi gaze. Le pire début de partie de tous les temps. Je récupère tellement de pièces. Je peux même pas ouvrir autant de coffres que j'ai récupéré de pièces. Ouh, attends, il y a ça à récupérer. Hop là. On va mettre la petite chaudronnière et on va rester dans les parages et on va taper des gobelins. Et après, on va recommencer à ouvrir des coffres et avoir des bons trucs. On a quoi ici? Encore un Greg. Le fait d'avoir débloqué aucun personnage, ça me met dans une sauce. J'ai 60 pièces. Je peux débloquer que des Greg, je suis coincé. On va essayer de détruire celui-ci. On va se le faire voler par le mec du haut, tu vas voir. Non, c'est bon, il s'enfuit. Ok, on va taper ça, guetter tout ce qu'il y aura dedans, parfait. On récupère un perso, un petit. Attends, on se fait fracasse. Là, je vous le dis, contre les autres teams, on a aucune chance. Nos personnages, ils sont trop pourris. Je vais me faire busted là. On a un petit canon. Est-ce qu'on arrive à s'enfuir? Pas du tout. On est 9ème de la partie. Est-ce qu'on arrive à faire en une minute une remontée fulgurante, mais pour l'instant, j'ai même pas de coffre à ouvrir, je suis bloqué de partout. Oh purée, je suis entre deux équipes, là si je meurs pas, c'est impossible, il me reste un Greg. Il y a un Greg mal placé, faut absolument que j'ouvre un nouveau coffre, à tout moment, eux, ils peuvent me fumer, je sais pas ce qu'ils font. Les amis, on s'est fait busted, bon là, pour le coup, c'était compliqué. Après, en spécial loot, on a eu des trucs sympas. Hop, le petit cochonou ici, et on va améliorer le colt, c'est parti, colt au niveau 4. Bon, cette fois-ci, j'espère que ça sera la vraie dernière partie, et qu'on va faire un meilleur démarrage, pas que des Greg, là, dans tous les sens. Ouh, ça peut commencer fort. Là, ça va énormément dépendre des premiers personnages qu'on a. Ok, je vais tenter un petit reroll et il nous propose, j'aurais jamais dû reroll, c'est pire qu'avant, on va jouer double barbare pour démarrer. Oh, le commencement catastrophique. Seul truc qui est bien, c'est la bombe qu'on a eue. À tout moment, s'il nous rush, ah non, il a cassé le pont exprès. À tout moment, si on se fait rush, hop, petite bombe, on finit une équipe. Ok, du colt, ah, c'est double à chaque coffre. Ok, du coup, je suis un peu deck de mon démarrage parce que si j'avais eu des meilleurs persos, comme tu les as en deux fois, imagine, t'as deux fois deux bons persos, ce qui n'a pas été mon cas, j'ai eu deux fois deux mauvais persos. Oh, lui, il a deux barbares d'élite là, qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi moi, mes barbares, ils sont en barbare classique encore? Hop là, où on a tapé l'équipe? On a quand même perdu des persos dans la course. On va les laisser se taper entre eux. Oh mais oh, c'est pas possible. Ils me donnent tous les pires persos que j'ai pour le moment. Est-ce que contre eux on gagne ou pas? Non, on va s'enfuir. Hop, on leur tire dessus. Ouh, attends, là on peut les finir. Oh, en vrai non, attends. Oh, il y a une équipe au-dessus. Je vais les taper eux un petit peu aussi au passage. On se fait taper en même temps. Rien ne va. Oh, je les tape un peu, mais il y a... Mais c'est quoi ce regroupement? Les gars. C'est aberrant. On a fini avant-dernier deux parties d'affilée. Bon, cette fois-ci, j'espère que c'est vraiment la dernière. Ok, piñata partie. Je sais pas pourquoi, normalement, j'ai de la chance sur ce mode de jeu. Après, comme on dit, jamais 203, je me suis fail deux fois, pourquoi pas trois fois. On va reroll. On va commencer avec le gobelin. Bon. C'est parce qu'on peut juste avoir beaucoup de pièces et aller très vite ouvrir un autre coffre. C'est juste pour cette raison que je l'ai pris. Ok, le colt, on l'a amélioré, on va voir si ça se ressent. On va surtout, vu qu'on peut, ouvrir un autre coffre. Ok, encore du gobelin, c'est bien pour la quête qu'on doit faire. On récupère beaucoup d'or comme ça. Ensuite, non mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir que 3 persos dispo. Ils me donnent toujours les 3 mêmes. Ok, Nita, on va juste prendre Nita parce que ça change un peu. Bon, est-ce qu'on a la patate de taper un petit peu des gros monstres ou pas du tout? Je crois que pour l'instant, c'est plus rentable de taper des piñatas dans notre coin et de pas se frotter à des monstres ni à des autres équipes. Ok, on a fusionné les gobelins, ça va nous faire de l'or dans tous les sens. On va continuer à taper des piñatas. Là, en fait, on n'est pas sur squad buster, on est sur squad rusher. Tu vois, juste on court. Squad runner. Pourquoi mes trucs ils sont cassés? Ils ont rien tapé. Taper la piñata là, hop. Ouh, le roi des barbares. Enfin, un perso qui fait un peu rêver. Ensuite, le cochon, bon. Ensuite, bon, le cochon, encore une fois, double cochon, on aura peut-être une fusion. C'est méga serré au niveau des gemmes, les premiers, ils sont pas forcément loin devant. Là, les gars, c'est même squat piñata. Vraiment, je fais que taper des piñatas sur le haut du village. Et le pire, c'est que c'est une stratégie qui marche pas trop mal. Oh, le colt. Bon, est-ce qu'on peut taper une équipe, là? Parce que limite, on fait une partie pas mauvaise, mais on s'ennuie. L'équipe, là, est-ce que je peux la taper un peu? Le petit colt, la fusionner, on va la voir. Ensuite, l'équipe, là, qui tape l'autre, on va essayer de la voir aussi. Il y a une équipe qu'on peut finir. Oh, les gars, on vient de la busted. Ouf! Attendez, t'as eu tout ce qu'il avait? Oh, bah là, c'est parti, on est premier. On nous rattrape plus. On a pris une avance de fou. Coffre grave.
gratuit, Reine des Archers. Donne-nous la sorcière, je l'ai mis au niveau 6, frérot. Tu m'as proposé, quoi, les deux sorcières, je crois, de toute la vidéo. Ouh, le deuxième, il va nous rattraper, il est pas trop mal, il fait une bonne partie. Hop, on prend une Reine des Archers. Attends, on a une bonne équipe. Faut que je vois là quelle équipe je dois un peu taper. Ok, l'équipe là, je peux essayer de la taper un peu. Ok, bon, attends, il y a du. Ah, c'est nos gemmes. Attends, je crois qu'on s'est pris des explosions de personnages au centre. Oh, la mauvaise idée. Ok, on repasse deuxième. On va essayer d'ouvrir des coffres parce qu'on a tellement de pièces. Petit gemme au centre là, hop. On est troisième, on ouvre encore des coffres. Oh, l'équipe là. Est-ce qu'il y a moyen de la fumer? Ok, on récupère tellement de gemmes en la fumant. Et là, l'équipe là qui tape l'autre équipe, ça dit quoi? Incroyable. En fait, c'est squat. Purée, non, mais attendez. C'est quoi cette partie? Je fais mon meilleur screen pour la miniature parce que là, on a fini à 246 gemmes. On a fait une fin de partie. Non, c'est n'importe quoi cette fin de partie. Ok, bah écoute, c'est parfait. On a récupéré énormément de gemmes. Ça nous fait 70 potions d'un coup. Avec cette vidéo, le compte, il fait un step up. On a fait la dernière quête justice. On récupère 400 XP et les 100 gemmes. C'est parti. Dans 2h50, on pourra récupérer des tickets justice. Et celui dont j'ai hâte, j'en ferai évidemment une vidéo. C'est le 7ème ici avec le personnage royal. On a 160 gemmes dans le shop. Ouh, attends. Mais non. Tout ça, c'est gratuit. Mais la dinguerie. J'avais pas vu ça. Non, mais fallait limite que j'en fasse une vidéo. Mais ça, fallait que j'en fasse une vidéo. Tu sais quoi, faut que je le mette au début de ma vidéo, ça. Ça va être mon intro du début. Mais ça, les gars, fallait que j'en fasse une vidéo. C'est quoi cette dinguerie? Tous les trucs gratuits, regardez-moi ça. Le compte, il va exploser avec ça. Encore 5000 pièces, regardez. J'ai au total 83000 pièces et 11000 tickets. Je vais dépenser mes gemmes, je vais prendre un petit peu ça, hop. Et là, avec les tickets, je vais prendre... Oh, ce skin, il est magnifique, hop, petit skin juste ici. C'est parti pour le roi. Les gobelins, pas fou, je vais pas les prendre. Les gars, je suis sur le cul de tout ce qu'on a débloqué. Ça sera, je pense, la prochaine vidéo. Je vais pas... Ça fait trop pour une vidéo, là. Ça fait déjà 31 minutes que je suis dessus. Prochaine vidéo, les gars, on va débloquer Mortis. Ça va être une dinguerie. Et en fait, avec toutes les orbes que j'ai, je peux quasiment débloquer tous les brawlers. Ah non, c'est pas des brawlers, du coup, c'est des squadeurs. Là, avec notre or, on va améliorer, hop, le barbare, 14000 d'un coup. On va améliorer ici le El Primo. C'est parti. Le chicken, on va faire son star boost plus le level up. C'est quoi cette fin de vidéo? Le Greg, hop, on prend son emoticône et on l'améliore. Maintenant, en fait, j'ai trop d'or par rapport au reste. Abusé. Franchement, j'ai trop d'or, je peux même plus le dépenser. Et bah écoute, ça fait plaisir cette fin de vidéo. J'ai même hâte, du coup, de faire déjà la prochaine. C'est pas impossible, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Là, il faut que j'aille tourner pour moi une petite vidéo Clash of Clans pour la chaîne principale. Et je pense qu'après ce tournage, on ira débloquer. Parce que je suis vraiment trop hype de ce jeu. On va prendre les orbes et on va débloquer certainement le sorcier plus le mortis. Ça va être trop sympa. Voilà, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Honnêtement, cette semaine sur Squad Buster, je l'ai kiffé. On aura encore d'autres vidéos Squad Buster la semaine prochaine, même si la bêta se termine dimanche, parce qu'en fait il y a tellement de vidéos, tellement de trucs à faire, je me dis ça peut pas être des vidéos que pour une semaine, on va déborder un peu, et je ferai une vidéo le dimanche, tu vois, pour entre guillemets la fin de Squad Buster, la fin de cette bêta fermée. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner pour la prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.